Alors juste avant de commencer la vidéo, juste pour vous dire que ce soir à partir de 21h, je serai en live sur Altis Live sur mon Twitch. Le lien de Twitch sera dans la description, donc ce soir à partir de 21h, je serai en live comme tous les vendredis, je serai en live sur Arma 3, Altis Live à partir de 21h. À ce soir, le lien de Twitch est dans la description de la vidéo. À ce soir. Putain, vous entendez quand je vous dis que je suis bloqué là? Ben j'en sais rien, je suis bloqué, je suis bloqué. Venez, couche-toi, couche-toi. Couché en fait. Couche-toi là. Voilà. File-moi les clés de ton véhicule. Non. Non, j'ai pas envie de le donner. On va trouver un arrangement, mais je donne pas mon véhicule. Alors, les gars, il doit pas donner les clés de son véhicule. Attendez. Attendez, j'augmente le son parce que j'entends pas. J'entends pas le son, j'augmente le son. Allez-y, vous pouvez parler. Donc je vais t'expliquer comment ça va se passer. Soit tu nous passes les clés de ton véhicule, on vérifie ce qu'il y a dans ton véhicule. S'il y a des trucs qui nous intéressent, on prend ce qu'il y a dans ton véhicule. S'il n'y a rien, on peut rien prendre. Si tu veux pas nous passer les clés de ton véhicule, on a autorisation de te tuer. Plus ton véhicule, on le détruit. Sauf que si je vous donne la clé, vous pouvez prendre mon véhicule. Vous comprenez? On a rien à foutre dans ton véhicule. Nous, ce qu'on veut, c'est les clés pour vérifier ce qu'il y a dedans. Bah, voilà. Allez-y, hein, moi, y a rien dedans, donc. Et bah, passe nous les clés dans les véhicules, on va vérifier quand même. Voilà, je viens de les donner à Bofa Frog. Ok. Reste allongé, s'il te plaît, Johnny. Johnny, reste allongé s'il te plaît. Ouais. Merci. Johnny, combien t'as sur toi actuellement? 3000 dollars. Je me balade jamais avec beaucoup d'argent pour éviter ce genre de soucis. Ok, donc on va te demander la moitié, 1500 dollars. Juste, je les donne à qui? N'importe qui. Ouais, je les ai donnés à Bofa. Bon, maintenant, tu bouges pas. Une fois qu'on aura décollé, tu pourras reprendre tes activités. Mais tu attends ton décolle. Sinon, on va demain pour toi. Vous m'avez rendu les clés, c'est bon? Ok, bon, après cet embarquement, je vais me lever. Voilà. Donc normalement, j'ai la clé du véhicule. Ouais, c'est bon. Donc deux petites secondes, s'il vous plaît. Bon, voilà ce qui s'est passé un petit peu après un petit peu cette mini prise d'otage, on va dire. Donc vous avez vu un petit peu qu'il fallait quand même que j'obtempère. J'ai bien fait de passer mon véhicule, enfin les clés de mon véhicule, parce qu'en fait j'ai hésité car il y avait certaines teams, parce que là c'était une team, qui détruisaient quand même le véhicule ou qui se barraient quand même avec, même en disant oui vous inquiétez pas on vous le rendra, on s'en fiche, etc. Donc ouais, j'ai quand même fait attention, enfin j'ai quand même hésité longuement. Après je me suis dit, j'ai vu qui c'était, j'ai vu que c'était la frog, donc je me suis dit bon, je peux peut-être leur faire confiance. La dernière fois, ils m'ont laissé tranquille, donc je vais faire pareil. Enfin, je peux leur donner les clés. Donc, c'est ce que j'ai fait.
Et donc ils ont rien pris, enfin ils ont, il y avait rien dedans, j'aurais passé, j'avais 3 000 $, donc j'aurais passé 1 500. Et ils m'ont redonné les clés du véhicule, donc ça c'est bon, c'est heureusement ils ont été cool de me redonner les clés du véhicule. Bon, j'ai pu réparer parce que j'avais une trousse à outils, donc ce qui fait que j'ai pu réparer mon véhicule, mais c'est vrai que sinon ça aurait été un peu compliqué. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais me faire de l'argent pour m'acheter une arme après ceci. Je vais donc aller à la mine de diamants qui est juste en haut pour me faire du diamant, justement vu que j'ai le plus gros camion du jeu. J'en profiter et pour prendre justement du diamant et me faire de la thune, hein, j'en ai vraiment besoin. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais éviter de vous faire les passages où justement j'ai où c'est trop long la route, tout ça c'est pas franchement le top. De toute façon là je suis à 400 mètres, donc je vais aller à la mine et je vais commencer à miner du diamant. Et ensuite, dès que j'aurai fini, je reprendrai la route et je reprendrai la vidéo à ce moment-là, vous inquiétez pas. Ok, alors non, en fait, c'est sur la gauche, la mine. Ok. Donc, elle est ici. Allez, c'est parti, elle a 300 mètres. Donc, on va faire gaffe, je pense qu'elle doit être en pente. Donc, c'est bon, j'ai terminé l'extraction. Donc, je vais pouvoir retourner... sur la route en faisant attention de ne pas me prendre un rocher. Ouais, c'est bon. Ok, allez, on est parti. Donc ça y est, j'ai j'ai tout le diamant qu'il me faut pour justement me faire de l'argent. Là j'ai à peu près 450 000 $ en banque. 450 000 $, et je préfère pas me le dire, comme ça c'est la surprise à la fin pour le diamant, car c'est la première fois que je fais du diamant là. Donc ça me fait plaisir de pouvoir en faire, en espérant même que ça rapporte gros, sachant que le chemin est quand même un petit peu long, mais à la fin on est quand même bien récompensé, et c'est vrai que c'est plutôt cool quoi. Donc voilà, je vais couper un petit peu, ma prochaine destination est ici au Diamond Processing. Donc faut que je retourne ici carrément, donc ça risque d'être un petit peu long. Mais bon, tant pis, pas le choix, hein, je suis bien obligé. Je vais parcourir pas mal de kilomètres, je pense. Je suis à 8,4 km. Ouais, ça va, c'est pas non plus la fin du monde, quoi, mais bon. Donc, je reprends un peu plus tard. Donc voilà, ça y est, je suis au Processing Diamond. Donc là, je viens de traiter 20 diamants, donc le processeur diamant, il est ici. Donc en fait, pour faire du diamant, il faut acheter déjà la licence de diamant. Ensuite, vous allez à la mine de diamants, vous venez ici au Diamond Processing et ensuite au Diamond Trader, avec le good accent, pour pouvoir transformer votre diamant. Ok, alors je vais faire ça, take et store. Allez, hop, on est parti. Donc vous faites ça pour transformer et à chaque fois faire un transfert pour en avoir assez. Et j'espère, donc là je vais aller m'acheter un hélicoptère, enfin je vais faire en sorte de pouvoir m'acheter l'hélicoptère, je l'espère en tout cas. Et donc là je vais vous passer le moment où j'essaie de transformer mon diamant. Donc ça y est, j'ai fini de transformer tout mon diamant, donc là maintenant je vais pouvoir aller au Diamond Trader. Donc je vais reprendre la route là, ouais ça doit être rapide. Là ça va être extrêmement rapide. Allez, on est parti, je contourne. On va se bouger parce qu'il y a pas mal de teams, de rebelles surtout, donc j'ai pas envie de me faire choper avec tout mon diamant, tout le temps que j'aurais perdu, enfin voilà quoi, je préfère vite m'en débarrasser. Je suis bien sûr sur le serveur Altis Life France, je vous mettrai le lien du site dans la description si vous voulez me rejoindre sur le serveur altislife.fr. Donc j'espère que vous serez nombreux, il y a beaucoup de mises à jour très souvent et du contenu exclusif qu'on a justement sur notre serveur, donc en espérant que vous soyez nombreux. Comme j'ai dit, je vous mettrai le lien de altislife.fr dans la description de la vidéo. Donc voilà. Ok, donc là je vais vite me dépêcher. Alors ce qui est bien, c'est que ce véhicule, contrairement au pick-up, il est très facile à conduire. Ok, c'est là, c'est à droite et ensuite à gauche. Il est très simple à conduire, il prend très peu de dégâts quand vous prenez un petit mur, donc il encaisse un peu plus les chocs que les autres, que le pick-up par exemple. Alors attendez, par où je vais passer? Ouais, je vais passer par là. Allez go, on est parti.
Il prend un peu plus les chocs que les os, donc ça c'est vraiment bien. Et je vous remercie aussi de suivre mes vidéos sur Arma 3 Altis Live, ça me fait extrêmement plaisir. Je vois que le jeu vous plaît énormément. Et pour ceux qui connaissent pas ma chaîne encore, ben, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner. Comme ça vous serez au courant de mes prochaines vidéos. Et bien sûr de me suivre sur Twitch. Le lien de Twitch est dans la description et aussi sur les réseaux sociaux tels que Twitter et Facebook. Dans la description de la vidéo aussi. Comme ça, dès que je fais un live sur Altis Life, bon, au moins vous êtes au courant. De toute façon, tous les vendredis, je fais un live à partir de 21h sur Altis Life. Aussi le samedi à partir de 22h30. Mais de toute façon, je vous préviens sur Twitter et Facebook. C'est pour ça que je vous dis de me suivre sur Twitter et Facebook. Au moins, ça vous permet d'être au courant de mes lives sur Twitch. Donc, quoi. Donc, c'est sûr que pour le moment, ils sont pas en qualité 1080. Je vais bientôt déménager. Il faudra juste patienter un petit peu que je puisse avoir la fibre. Hein. Ça se joue d'ici quelques mois, vous inquiétez pas. 3-4 mois. Et je vais avoir la fibre. Donc voilà, juste patienter un petit peu. Et vous pourrez avoir des lives de meilleure qualité. Je vais passer sur la droite. Ouais, c'est bon, je suis sur la route. Ok, donc dès que je suis devant le de Diamond Trailer, bah, je reprends la vidéo. Coupe-toi la vidéo. Attendez. Donc ça y est, me voilà vers la ville pour justement vendre mon diamant. C'est la première fois que je fais du diamant justement, donc je vais voir un petit peu combien ça me rapporte, sachant que ça rapporte plus que le sel. Donc ça c'est plutôt cool. Donc je vais vite me dépêcher de vendre tout ça. Donc normalement il est, non il est de l'autre côté, il est là-bas. Ah bah il est juste en face, voilà. Le mec est juste en face, donc on va vite se dépêcher. Voilà. Allez, go. Moteur coupé, éjection. Et je ferme ma voiture. Allez, je vais vendre tout mon diamant. Bon, les 8 diamants, je vais lui vendre directement. Qui me rapporte déjà 16 000 $. Ce qui est quand même pas mal. Ensuite, diamant. Ok, allez, on va en prendre 20. On est parti, on va aller 20 par 20. 20. C'est l'item 40 000. Allez, encore 20. Donc 40 000 par 40 000. Encore 20. C'est l'item. Bon, ça va, le diamant, je vous conseille de ne pas prendre les routes principales quand vous avez tout votre marchandise. Parce que quand il y a des rebelles, malheureusement, si vous faites prendre, c'est pas vraiment le top, on va dire. Donc, évitez de prendre les routes principales, prenez plutôt les petits sentiers. Et ça, c'est la même quand vous faites... ça, c'est la même chose quand vous faites, par exemple, de la cocaïne pour les policiers, quoi. Évitez, moi, je l'ai fait souvent et souvent, je me suis fait choper quand je prenais la... les routes principales. Donc évitez, pour ceux qui débutent, de prendre les routes principales, parce que c'est pas du tout ce qu'il faut faire, quoi. Allez, 4. Ok, donc je me suis fait donc 265 000 $ avec le diamant. Donc on va dire que le diamant, je pensais me faire plus avec le diamant. Sincèrement, je pensais vraiment me faire plus. Là, je suis à 765 000 $. Normalement, le Diamond Trader, voilà, c'est ici. Je me suis pas trompé. Je suis bien allé au Diamond, ensuite aux mines de diamants. Ouais, j'ai tout bien fait. J'ai bien transformé mon diamant. Et je me suis fait seulement 250 000 $, sachant que le cuivre, je me fais pareil. Donc, à voir, à plutôt faire du cuivre plutôt que du diamant, parce que c'est pas vraiment le top, quoi. Donc je vais continuer à me faire de l'argent et dès que j'ai l'hélico, ben on prendra vers, dès que j'atteindrai les 1 000 000 $, je commencerai à remettre la vidéo. Donc c'est bon, j'ai assez pour m'acheter l'hélicoptère justement. Comme vous avez vu dans la vidéo, je me suis fait un peu d'argent, je suis allé faire du cuivre entre temps. Là il commence à faire jour, donc c'est parfait, et je vais donc aller acheter mon hélicoptère qui est à 935 000 $ justement, et je suis en live par la même occasion. Donc voilà, justement, comme je l'ai dit, la plupart du temps je suis en live sur Altis Life. Par exemple le vendredi, tous les vendredis à 21h je suis en live sur Altis Life. Donc si vous avez envie de le suivre, le live, ben, n'hésitez pas. Oula, on va se calmer sur la route parce que le pick-up, je déteste ce véhicule.
Il est pas maniable du tout. Ok, c'est bon, j'arrive à l'aéroport. Et pas l'aéroport, bien entendu. Ok. Allez, je vais me garer. Enfin, je vais aller au garage plutôt déjà. Je vais aller au garage. Salut, ce qui vient d'arriver sur le live. Alors, attendez, le garage déjà, il est où là? Véhicule aérien, c'est ici. Et le garage, c'est ici. Je vais déjà aller ranger mon véhicule. Allez, c'est parti. Il parle tout seul, les ors? Non, je parle pas tout seul. Non, je parle avec des. Les mecs qui étaient sur le TeamSpeak. Et je suis en live, hein, donc forcément, je parle pas tout seul. Hein. Enfin, après, je sais pas, peut-être que tu connais pas les lives, hein, c'est possible aussi après. Ok, allez, on va se dépêcher. Bon, j'espère que là, le temps va me permettre de décoller. Salut, Ski, qui m'a rejoint? C'est moi. Ah, c'est toi, ok. Allez, je vais vite me dépêcher. Je vais aller ranger la voiture. Le garage, il est vers où là? Ok, il est là. Je vais aller ranger la voiture et prendre l'hélicoptère. Moteur coupé. T'es encore avec ton hélico, toi? Comment ça, encore avec mon hélico? T'arrêtes pas de parler de prendre l'hélicoptère, tu l'as pas encore pris? Ben non, parce que j'ai dû aller chercher l'hélico et ensuite. Bon, attends, parce que la voiture commence à me faire me gaver là. Moteur coupé. Ah, vas-y, fais. Stocker le véhicule dans le garage. Voilà. Allez, c'est bon maintenant, je vais aller au véhicule aérien ici. On est parti. C'est quoi ta chaîne YouTube? Le lien, s'il vous plaît, Game Shooter. Tu vas sur Twitch, tu descends ou sinon tu vas sur YouTube, tu tapes EzorFR. Et tu tomberas sur ma chaîne. C'est le plus simple. N'hésitez pas à vous abonner à mon Twitch en cliquant sur le bouton follow. Pour ceux qui viennent de me découvrir. Comme ça, au moins, dès que je fais un live, vous êtes au courant. Et puis voilà. Et vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et Facebook. Ça me plairait trop de faire un live avec toi, Ezor. Malheureusement, tu... Pas la suite. T'as dit quoi, Angel? Les pauvres, ceux qui t'ont découvert. Les pauvres, je les plains. Ah non, sans déconner, hein. Ah, tu les plains, bien sûr. Faut me supporter, c'est vrai. Veux plus prendre des personnes. Veux plus prendre des personnes. Sur le Twitch, tu peux. Enfin. Pourquoi j'entends la police? Mec, tu sais que j'entends les policiers là? Mais c'est fort possible. Bah, c'est pas c'est fort possible, c'est que je les entends. Je les entende. Et t'es où là? Attends, je les entende. Non, je les entends plutôt parce que. Ben là, je suis allé à l'aéroport et je vais aller acheter mon hélicoptère, bien sûr. Putain. Mais là, c'est la tempête, putain, pour décoller, je sais pas si c'est une bonne idée, quoi. La tempête? Ouais. C'est quoi? C'est ce que je vais contacter un policier, je vais lui demander: bonjour, monsieur le policier, avec ce temps, est-ce que c'est une bonne chose de décoller avec l'hélicoptère? Arrête, putain, tu vas te faire kicker, quoi. Le mec, il va te dire: ah, ça va, je vais me faire kicker, l'abuseur. Non, mais il va te lâcher une amende, il va te dire: ouais, on dérange pas les forces de l'ordre pour. D'accord. Pour ça, quoi. Pff, genre, il va mettre une amende parce que je demande un renseignement. Non, c'est un renseignement, on a le droit. Mais pas de soucis, il manquerait plus que ça. Un petit pentagone, non. Je vais pas m'écraser avec mon hélicoptère, vous inquiétez pas. Putain, t'imagines, j'écrase mon hélicoptère, 900 000 $ dans les fesses. Putain. Non, mais ça va bien se passer, ça va. C'est pas non plus très difficile de conduire un hélicoptère. Hein. Non, moi je me rappelle un petit peu de DayZ. Ça fait depuis longtemps que j'ai pas conduit un hélicoptère, mais bon. Ouais, moi je me souviens de la dernière. Consulter le catalogue des hélicoptères. Ouais. Y'a pas fait long feu l'hélico, je me rappelle. Allez, bye. White, blue, white, blue. Yes, voilà l'hélico. Ah, je suis content. Enfin, j'ai mon hélicoptère, quoi. Putain, ça, c'est cool. Attendez, je vais me prendre en photo avec. F9. Voilà. Ok. Allez, je vais prendre l'hélicoptère. U. Pilote. Monsieur, est-ce que vous êtes prêt pour le démarrage? Angela, vous êtes prêt, Charmy? Putain, mais c'est
putain, j'ai cru que c'est quelqu'un qui est à côté de moi là. Sérieux? Ah putain, mais comment t'as fait ça? C'est que j'ai posé ma main sur moteur en route. Moteur putain, en route. Oh putain, c'est trop bien fait, mon gars. Oh là là, abusé, ouais. Ah, ça y est, 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 c'est ça. Bon. Bah, bon courage. Hein. Ouais, merci, ouais. Ça y est, c'est ça. User left your channel. Ok, c'est bon, là j'ai mis en vol stationnaire. Ok, donc c'est bon. Oh, il y a la banque, elle est en train de se faire attaquer. Sérieux? Bah ouais, ça marquait, la réserve fédérale est en train de se faire braquer. Putain, chaud. Ok, bon là je suis en train d'atterrir, je vais atterrir doucement bien sûr. Faut que je m'entraîne, hein. Je vais aller petit à petit. Parce que c'est totalement différent de DayZ, donc... Ok, c'est bon, il est coupé. Moteur coupé, je vais regarder vite fait les touches. Allez, moteur en route. Merde, il est pas mort. Eh ben non. Non, mais c'est un coup à prendre. Après, ça va. Ça va aller. Allez, je prends de l'altitude, au cas où j'ai un petit souci, j'ai le temps de redresser l'hélico. Putain, j'aime pas la vue de... comme ça, là. Mais bon, faut que je m'entraîne un petit peu, donc... De toute façon, j'ai la ligne blanche qui me permet de voir si je suis bien ou pas. Ok, pour le moment, ça va, hein, dans l'hélico... Y a pas de souci. C'est juste, comme je le dis, un petit coup à prendre. Hein. C'est, au début, c'est un peu dur. Hein. Normalement, je voulais aller m'entraîner un petit peu sur les tests, les pistes d'essai sur Arma 3. Mais bon, je me suis dit, je vais tenter en live et on verra bien quoi. Oui, demain dans la journée, peut-être que je ferai un live. Ouais. Allez, on est reparti. Ouais, ça va, c'est pas trop dur hein, pour tourner à droite. Bon, par contre, faut pas trop pencher non plus, parce que là, par contre, on s'écrase. Mais, pour aller faire de la cocaïne ou autre, là, c'est rapide. Hein. Ah, c'est super. C'est super. Je commence à comprendre un peu le système pour se déplacer et tout, donc... là, c'est pour piquer du nez. Bon, pas trop, par contre. Hop, là, on redresse. Allez hop, je reprends de l'altitude. Putain, c'est... Tu te déplaces mais vachement plus rapidement avec l'hélico, hein. C'est un truc de fou. Hein. Et alors, tu pourras m'envoyer, une invite sur Steam, ouais, si tu veux. D'Antonio, j'étais mort de rire, GG. Merci à toi, Iviots. Allez, ils ont regardé, genre, je crois en toi. Non, mais ça va, c'est pas trop trop dur. J'ai un peu d'appréhension au début parce que bon, j'avais pas envie d'écraser mon hélico quand même. Mais ça va. C'est juste une question d'habitude et petit à petit. Parce que là, on n'est pas dans BF4 là. Hein. Si je l'écrase, je vais pas pouvoir en avoir un deuxième quoi. Donc là on passe au-dessus d'une grande ville. Vous savez ce que je vais faire, c'est que je vais aller passer au-dessus de Kavala pour voir un petit peu ce que ça donne. Allez, je tourne.
Ah, désynchronisation du serveur. Ouais, ouais, je vais faire... Oh putain, l'éclair, il est tombé juste à côté. Je sais pas si ça fait quelque chose de se prendre un éclair sur la gueule, par contre. Par contre, là, je suis où, là? Ok, non, ça va. Alors, attendez. Je vais prendre la carte et Kavala. Allez, donc c'est à 15 km. 15 km, je vais essayer de m'entraîner à 15 km faire, voilà, de l'hélico. Ça peut être sympa. Mais ça va, vous avez vu, à force de s'habituer, c'est pas trop dur, quoi, ça va. Mais comme ça, au moins pour la drogue et autres, ça sera déjà beaucoup plus simple, quoi. Ça sera déjà beaucoup plus rapide. Donc, bah, tu vois, je me suis pas écrasé, Angel, comme tu le voulais. Ah ouais, merde, putain. Ah ouais. En plus, dans cet hélico, il est bien. L'hélico, il est bien, c'est qu'on peut mettre des personnes dedans. Ça, c'est le top, ça. Des personnes pour du kidnapping? Ouais. Tu peux mettre des gens. Bah, tu peux venir dans l'hélico si tu veux. T'es où là? Ben moi, je suis en mine de sel là. Je suis en train d'aller. Maintenant, je pars pour aller le traiter là. Ah bon, je vais pas te prendre. T'as ton véhicule. Ouais. Bon, bah voilà un petit peu pour le test de cette vidéo. Voilà, l'hélico un petit peu dur au départ, mais ça va. Hein. De toute façon, ça peut préparer que DayZ, donc bon, pas vraiment. C'était juste au niveau des touches que c'était un peu différent, et ça faisait depuis un peu 5 mois que j'avais pas piloté un hélico. Mais ça va, j'ai repris un petit peu l'habitude, c'est pas trop dur, ça va, c'est pas. C'est gérable. Donc voilà, merci encore à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo si ça vous a plu. Et bien sûr, de vous abonner à ma chaîne pour suivre mes prochaines vidéos. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter et Facebook, comme je vous l'ai dit. Mon Twitch sera dans la description de la vidéo pour suivre mes lives sur Twitch. Merci encore à vous d'être fidèles à mes vidéos. Et on se retrouve donc vendredi prochain pour une autre vidéo sur Altis Life. Ciao tout le monde, bye bye, à plus, ciao. User joined your channel. D'or? Oui. Besoin d'un hélicoptère? Qui c'est qui a parlé? Ah, c'est toi, Angel, Blood, ça va? Oui, ça va. Ouais, bah j'ai eu souci, j'ai pris une pente, enfin j'ai atterri et la pente, il y a une petite pente, j'ai pas fait gaffe et j'ai cassé les rotors. Et comme par hasard, les rotors, c'est les seuls qui bug quand le véhicule est pas droit. On peut pas réparer. Bon, quand même, hein. De quoi? Pas très bon, pas très doué. Ah ouais, non, mais j'ai pas habitude. L'hélico de DayZ, c'est plus simple à piloter. Putain, je vais venir te chercher. Ah, merci. T'as envoyé un message à Roger, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, je suis passé au-dessus du comme par hasard, mais sûr, j'ai un souci à côté du champ de coke, bien entendu. Ah bah oui, comme par hasard, bien sûr, l'hélicoptère est vide. Voilà, bah bien sûr. Ouais. En fait, je voulais aller à la mine de sable en fait. ouais, c'est sur la route. Mais c'est sur la route, forcément. Ouais, c'est trop bien, mais... Alors, on va vérifier son arrivant, hein, ouais, bah, pas de problème. Ah, mais c'est un policier, là, la personne qui a de l'argent. Ouais. Ouais, c'est le gérant du site. Ouais, et sort. Oh, non, mais c'est vrai, ouais, c'est un concours de circonstances, quoi, voilà. Oh, en fait, j'ai... Ah bah non, mais je me suis arrêté juste avant la mine de sable, en fait, je me suis trompé, c'est joué à quelques mètres, en fait. Ouais. Et donc c'est la mine de sable, c'est les frogs qui contrôlent la mine de sable en fait. Voilà, c'est ça. Voilà, d'accord. Je vais voir avec Ron, le mec. Ouais, merci. Pour venir te chercher. Ok, enfin, merci. Venir te rapporter un hélicoptère. On voit. Merci. Oh putain. Putain. Ah, t'es épique comme mec. Oh là là, là là, j'allais s'y coller, pas de honte.